Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 pour un nouvel épisode de Gazer 2 Commander. Aujourd'hui, on a de la chance puisque il y a l'élimination confirmée qui est en double XP et double XP d'armes. Donc on va en profiter un max et on va finir de jouer avec notre Blackjack là, puisqu'il nous reste encore un quart d'heure je crois à peu près de jeu avec celui-là, mais je crois que j'en ai un autre derrière et de toute façon je vais redébloquer un autre dans pas très longtemps vu que je suis à 140 kills sur 500 pour débloquer le suivant. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'avantage de l'élimination confirmée, c'est que ça va quand même faciliter les choses au niveau... Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'il va y avoir en face. Mais je pense que ça peut faciliter les choses au niveau des score streaks. Et vu qu'il faut que je fasse des kills, ça va être pas mal. Parce que du coup, je vais pouvoir justement faire pas mal de kills avec le Wraith et les Raps. Et vu que tous les kills ne comptent pas pour gagner la partie, vu qu'il faut ramasser les plaques, forcément, si on ramasse pas les plaques, ça va durer assez longtemps. C'est un petit peu le but, donc on va voir si on va pas pouvoir faire justement des parties avec des kills assez, des scores de kills assez élevés. Ce qui pourrait nous avancer un petit peu pour l'obtention du prochain Blackjack. Le problème c'est que c'est vrai que c'est... J'ai toujours trouvé ça assez étonnant en élimination confirmée. C'est que je mets toujours 30 plombes à trouver le premier ennemi. Et j'ai l'impression en fait que je passe toujours par la route inverse de tout le monde. Je sais pas pourquoi. Oh 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 oh. Je suis derrière toi. Ok. Premier kill, enfin. Allez, on va essayer d'aller enchaîner un petit peu. Faudrait vraiment débloquer le hater. Une fois qu'on aura débloqué le hater, ça sera un petit peu la free win, on va dire. Je crois qu'il y en a un deuxième qui est pas loin de là, parce que j'entends un Dracon, mais je sais pas si c'est lui que j'entendais, en fait. Ah, c'était peut-être lui. Oula. C'est lui? Ouais, ok, c'est lui. Je me demandais, parce que... Mais c'est marrant, il y a un sniper et une SMG en même temps. Comment ça se passe, là? C'était bien lui, il avait juste deux armes. Ok. Allez, on va... Gravity Spike, je sais pas si c'est une bonne idée, mais... En fait, ce qui me fait peur avec les Gravity Spikes, c'est que... Je sais que je vais l'utiliser au mauvais moment, en fait. J'ai toujours tendance à l'utiliser au mauvais moment et à me faire tuer pendant que j'utilise. Parce que je veux genre faire un max de kills, du coup je fonce en plein milieu des ennemis et tout, et bah forcément ça marche pas les masses, tu vois. Hostile Care Package. TACOM, get me a raid. On va déjà balancer ça. Oh, fou, moi je suis pas mort là. Oh putain, non. Au moment où je balance le... ça me dégoûte tellement. Au moment où je balance le hater. Ça, je pense que c'est les morts qui dégoûtent le plus, tu vois. C'est quand tu balances le hater, t'as un mec qui arrive et tu peux rien y faire parce que bah tu balances le hater donc. Ah merde, j'ai vu un truc, je crois que c'était une. Comment s'appelle cette merde là? Je pensais que c'était une choc charge ou un truc comme ça, mais. Mais non, c'était un. C'était une autre merde. On va flip là-dessus. On va l'utiliser. Non, c'est pas ce bouton là, c'est celui-là. Ok, bon. C'est un petit peu plus lent quand même que la domination, mais je trouve que les ratios en règle générale sont mieux. Ils sont meilleurs sur, en élimination confirmée qu'en domination. Mais c'est vrai qu'on met un peu de temps à trouver les ennemis. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Oh, nice. Je pensais que j'étais à côté là par contre. Oh, là par contre je pensais que j'étais dessus. Écoute. On a combien? 5 points. Allez, un petit kill encore, le Vrai, s'il vous plaît. Alors je peux peut-être ramasser la plaque là. Ah c'est bon, j'ai des... Oh non, t'es sérieux? Ah c'est bon. Ok, bon, moi j'ai le race d'après, j'aimerais bien avoir le hater suivant. J'aimerais bien avoir le hater suivant. Donc 80 points, c'est pas le moment de regarder à côté de l'écran là. Je regarde trop ma map en fait quand c'est comme ça. Et le problème c'est quand on n'a pas de hater, regarder sa map c'est pas... Ah c'est utile, je dis pas le contraire, mais faut pas avoir trop le nez fixé dessus parce que sinon tu regardes plus ce qui est en face de toi. Et c'est ce qui a tendance à m'arriver les trois quarts du temps. Alors je sais qu'il y en a un peu partout, il y en avait un là-bas, il y en avait un là-bas, mais je suis jamais au bon endroit en fait. On va balancer ça. Normalement, on devrait au moins réussir à avoir un ou deux kills avec. Lol, what? C'est le cadavre qui est passé ou... Ah c'est le cadavre qui est passé, je croyais que c'était le mec, je me dis c'est marrant, il est passé bizarrement quand même là, il est passé un peu... Il est passé d'un coup comme ça là, je comprends pas. Non c'est normal. Ouh, il m'a mis cher lui. Allez, bon, maintenant on a les raps au moins. Ça, c'est plutôt cool. Tu l'as tué? Non, tu l'as pas fouillé, tu l'as tué. Ok. Bon, bah voilà. Là, on est bien là. Tempest, ok, j'aime bien le Tempest en plus. Enfin, je l'aime bien en élimination confirmée parce que tu croises pas très souvent beaucoup d'ennemis à la fois, tu vois. Donc, c'est en général assez facile de se débarrasser du seul ennemi que t'as en face de toi. Oh, ok. Allez, ça a bounce? Non, ça bounce pas. Bon, ils sont tous morts, d'accord, ok. Parce qu'il y avait au moins 3 mecs à cet endroit-là. Je me suis dit, un petit coup de tempête et puis on se barre. Et puis comme ça, ils vont tous mourir tranquillement. Mais apparemment,
Dommage. Apparemment, ils étaient déjà morts avec le vrai c'est les raps. En parlant de raps, boum. Non, je peux même pas. On va remettre peut-être le hater parce que... Ah, j'ai pas ma confiance, tu vois, quand j'ai pas le hater. Oh. Ouais. Je l'ai vu arriver de tellement, mais tellement loin ce truc-là. Je savais en plus, je savais que c'était le mec avec son arme de mêlée. Je sais pas pourquoi, mais je savais. C'était évident. C'était obligé. Bon, faudrait que je fasse un peu plus de kills, là. Je sais combien, je suis à 35. Lui, il est trop chiant à faire des allers-retours dans ce truc-là, mais c'est juste une horreur. Ah là là, ses armes de mêlée. Ses armes de mêlée. Bon, l'avantage, c'est qu'il se fait tuer assez facilement par les raps et tout ça, donc bon. Encore heureux, parce que franchement... C'est trop chiant les mecs qui sont dans les bâtiments là, qui restent dans les bâtiments avec leurs armes de mêlée, c'est juste horrible. L'avantage c'est que ça me fait pas mal de points parce que les alliés ramassent plein de mes tags, enfin plein des tags des mecs que j'ai tués. Ok, je crois que c'est moi qui l'ai tué à l'arme, ouais. Nice, plus de vie, tac. Bon voilà, ça va, ça se passe pas trop mal. Par contre, je suis à combien là? 340 points de ma série. J'aimerais bien finir ma série avant que mes raps et tout se barrent. Ça serait plutôt pratique, on va dire, parce que bon... Attends, j'ai vu un truc là, voilà. Allez, on va aller ramasser les tags là-bas de toute façon. Hein. C'est pas comme si on trouvait beaucoup de monde à tuer. What? T'es sérieux, mec? Ah, j'y crois même pas, ok. Ok. Le mec est tellement campé dans son spawn, tu peux même pas, il est horrible quoi. Le mec est tellement campé dans son spawn, tiens, va te faire tuer par mon Vrace, tu vas voir. Ridicule, c'est ridicule. Ok, bon je suis à 52 kills, ça va aller vite en fait les 500 kills je pense aujourd'hui. Grâce au bonus qu'on peut avoir avec, oh shit. Grâce au bonus qu'on peut avoir avec les kills confirmed là. Je pense qu'il y a moyen. Ah ouais, là je vais mourir. On va balancer ça. Ouais. Dommage, l'Ali aurait pu. Ah bah non, d'accord. J'allais dire l'Ali aurait pu me sauver. Non, mais il est mort quand même. Ok. Je pourrais tenter une nucléaire aussi, mais. Le truc là, c'est que. Oh putain. Oh waouh. Putain, mais lui, j'ai l'impression qu'il met toutes les balles dessus. Hein. Je pourrais tenter une nucléaire en fait, avec ce. En élimination confirmée comme ça, mais je me pose la question, est-ce que. En fait, la question surtout, c'est est-ce que la nucléaire va me permettre, va m'empêcher de faire des kills. Dans le sens où, est-ce que je vais finir avec 30 kills au lieu de 50 dans la partie, tu vois, parce que les Vrace et les Raps, ils me filent plein de kills, et comme j'ai pas spécialement envie de faire 5 épisodes comme la dernière fois pour réussir à finir mon défi de faire 500 kills, j'hésite un petit peu, tu vois. Toi, t'es horrible, mec. On va flip là-dessus. Oh, oh, il se passe quoi? C'est quoi ce bug? Lol. Ouais, lui, ce mec-là est horrible. Nat strict. Le mec est toujours il bouge jamais, en fait. Il a son spawn, mais il bouge jamais. Il a combien? Il est en 6-3. What the fuck? Le mec est en 6-3, mais il bouge pas un prout. Bon, tu meurs ou qu'est-ce qui t'arrive, là? J'ai même pas eu les points pour te l'avoir tué, parce qu'il s'est suicidé en tombant. J'ai dû lui mettre 99 de dégâts, il s'est bouffé un... C'est bouffé un gros suicide. Ah, c'est peut-être le vrai qui... Non, c'est pas le vrai qui l'a tué. Non, ça a pas l'air d'être le vrai qui l'a tué. Ok, 61-9. Bonne petite game. Je pense que je vais tenter quand même de faire un... J'ai quand même tenté de faire un petit power core, tu vois. Une petite nucléaire, tu vois. Genre drone power core et hater. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Surtout dans un lobby comme ça, à mon avis, il y a moyen. Il y a large moyen. Donc on va voir si on peut pas faire ça. Profiter un petit peu, et puis là du coup en double XP ça va aller assez vite hein, mine de rien de monter les niveaux parce que c'est quoi double XP je crois que je faisais un niveau par partie à peu près après le niveau 55 donc là je suis avant le niveau 55 je devrais faire assez facilement un niveau par partie normalement je pense en double XP quoique après c'est pas de la domination donc c'est vrai qu'en domination on gagne un peu plus aussi mais on va voir toi je fais 40 000 d'XP c'est 55 000 après le niveau 55 donc ça doit être à 49 000 là. Ah, je sais pas combien c'est, mais je crois que c'est 1000 par niveau, peut-être, non, je sais plus. Ah, je sais plus comment c'est, mais bon. Ok. Let's go. Allez, tentons notre petit drone hater power core. Après, le drone, c'est pas non plus obligatoire, c'est pour ça, je sais pas trop si je devrais pas laisser le drone de côté pour mettre autre chose, mais... qu'est-ce que je pourrais bien mettre d'autre, en fait? C'est ça la question. Y a pas vraiment d'autre chose qui va vraiment m'aider, tu vois. Genre, ouais, les raps, c'est bien, ça aide pas mal. Les J-Units, c'est bien, surtout comme on a vu dans la dernière vidéo. Les raps, ça fait des kills voitures. Et les kills voitures, ça compte pour la nucléaire. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, les raps, mais... bon, la chance d'obtenir des kills voitures est pas non plus ouf.
Et le problème, c'est qu'en fait, si je mets des score streaks qui vont me filer des kills, ça fait un petit peu comme cette partie-là. On s'est un petit peu fait chier dans le sens où c'est mes score streaks qui ont tout fait, si tu veux. Du coup, il s'est pas passé grand-chose dans la partie. C'est un petit peu dommage. J'aimerais bien justement avoir un petit peu plus d'action. Parce que c'est vrai que la partie d'avant, il n'avait pas énormément. Niveau spécialiste, il me reste 5 minutes. Donc, il me reste une partie avec le spécialiste. Il me reste normalement un jeton, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il me reste un jeton. Et il me manque 300 kills à peu près pour terminer, donc ça va. Bon, les 300 kills, on va les faire, je pense, en... Ah, je sais pas, cet épisode plus l'épisode d'après, peut-être, hein. Parce que j'ai fait 61 kills, quand même, là. Donc, ouais, oh, je pense qu'il y a moyen. Par contre, il me semble que c'est pas des tirs au pistolet, je crois. Je crois que il est bugué, le truc. Les kills en mitraillette, ça compte comme kill au pistolet, j'ai l'impression. C'est un petit peu bizarre. On va continuer avec la Kuda, elle est bien. Elle est plutôt pas mal. Bon, on va voir si on va pouvoir réitérer notre partie précédente. Là, ça serait vraiment bien parce que elle était vraiment pas mal cette partie. On peut refaire la même, mais avec une petite nucléaire en prime, tu vois. Là, ça serait juste le top du top. Toujours en train de rusher en plein milieu ici. C'est toujours arrivé très très rapidement avant que les ennemis n'arrivent. Dommage. Vraiment dommage. J'ai commencé à sprinter au moment où le mec est apparu et j'ai même pas pris le tag en plus. Ça, c'est vraiment. J'ai juste tout raté en fait. Oh là, oh là là. Ça commence aux pompes là. J'ai cru voir un pompe. Enfin, il me semble que c'était un pompe qui m'a tiré dessus, je suis pas sûr, mais. J'ai bien l'impression que c'était un. Ouais, c'était un pompe, c'était un KRM. J'aime pas trop beaucoup ça. Le seul problème des KRM, c'est que ça te casse ta série extrêmement facilement. Très très facilement, ça peut te casser ta série et tu peux. T'as aucun moyen de le voir venir. Va falloir être un petit peu... Oh non, t'es sérieux, mec? Va falloir être un petit peu attentif au KRM. Le problème, c'est qu'il y a l'autre qui est toujours avec sa merde, là. Toujours l'autre avec sa merde de... Comment ça s'appelle, là? D'arme de mêlée, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Ah, d'accord, il a fait le tour, ok. Là, je croyais, genre, je me dis, mais il a pas spawn, là, quand même, c'est pas possible. Non, il avait fait le tour. Autant pour moi. On va y avoir du people devant, là, je pense. Où est-ce qu'ils sont? Bon, juste que je réussisse à débloquer ma série. De toute façon, c'est toujours un peu la même. C'est toujours un peu la même histoire. Hein. Si tu débloques pas ta série, tu peux pas faire grand chose. Où est-ce qu'ils sont? Attends, mais j'ai un purifier. Okay, il y en avait un autre derrière. Non, c'est toi. Ouais, il y en avait un autre derrière. Oh oh oh, petit pompe là. On se calmer tout de suite, hein, écoute. Hein. Ah ah ah, le mec en mêlée, nope. Nope, avec le lance-flamme, la mêlée, ça marche pas. Ça ne marche pas, désolé. What? Hostile power core online? Et Raps? Mais what? Moi aussi j'ai le power core, il me semble, non? Ok, je crois que je me suis failli, j'ai failli me faire écraser par un Raps. Fuck. Il faut vraiment que j'arrive à débloquer mon power core. Ok. Je sais pas si les... Non, les raps peuvent pas aller dans l'eau. Non, 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 laisse-le moi. Nice. Il y en a un autre au fond là-bas. Il y a des raps. Ouais, bon, il y a des raps. On va pas y aller. Il se termine le power core là. J'aimerais bien péter tous les raps et faire tout péter en fait, mais... Putain, ça fait tellement chier. Allez les gars, venez là, venez là. 165 points, je suis pas très loin en plus d'avoir mes streaks, tu vois, mais... Oh putain de merde. Je le savais. Mais comment il a fait? Putain, comment il est en 22 le mec? What the fuck? J'étais en 12-3. Oh putain, va te faire foutre, je suis désolé. Mais là, la mêlée, ça me fait tellement péter un watt. Ça me fait péter un watt la mêlée, mais c'est tellement n'importe quoi. Tellement n'importe quoi ce truc. Allez. What? Mais t'es sérieux là? Putain de merde. Ah, j'ai une pure team, j'ai l'impression encore. Waouh. Waouh. Putain, comment ça a fait pour aussi bien commencer tout à l'heure et aussi mal terminer maintenant quoi? C'est ouf. C'est ouf. On fait une putain de game et là, je peux plus rien faire. J'en peux plus de ce mec. Putain, j'en peux plus.
Y'a que lui qui me tue parce que c'est putain de retardo, quoi. C'est juste retardo, tu peux pas réagir. Le mec, il est dans son truc, là, il est au corps à corps quasiment, et puis bah voilà, quoi, t'as pas le temps de tirer une balle, t'as même pas le temps d'arrêter de sprinter que t'es mort, quoi. Ah putain, ça m'énerve tellement, ça. Putain, j'étais presque à avoir ma série et... Oh là là. J'étais pas loin d'avoir ma série et j'aurais retourné toute la game à l'autre avec ses raps et tout, et maintenant je peux plus rien faire parce que de toute façon j'aurai jamais ma série, c'est un petit peu dommage. Parce que du coup le fait que j'ai jamais ma série, ça va juste nous plomber la game complètement, parce qu'à mon avis le mec il va ressortir des raps assez rapidement, je pense. Hein. Je pense que j'ai pas trop besoin de me... What? J'ai l'impression de pas avoir de chance, je sais pas pourquoi. J'ai tellement envie de me barrer de cette partie en fait. Tellement envie de me barrer de cette partie, je vais pas le faire parce que voilà, mais... Vraiment que je réussisse à remonter ça, quoi. Mais va te faire foutre! Putain, le mec, je peux lui mettre autant de balles que je veux, de toute façon, il fait slide punk, c'est fini, quoi. C'est fini, tu peux rien faire! Ah là 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 là! Quelle horreur! Quel mongol. Oh my god, je crois que c'est la partie la plus frustrante de ma vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me fais tuer uniquement par des mecs en mêlée et puis par des alliés. La pire partie, quoi. C'est la partie la plus frustrante. C'est horrible. Allez, c'est ça. Fais-toi tuer, toi. Marshall, dégage de là. Putain, en plus, je me fais piquer tous mes tags. Ça fait chier. Où est-ce qu'il est, lui? Il est passé, c'est bien ce qui me semblait bien là, toi. Oh putain, je l'ai pas vu venir, les fuck. Ah, mais les spawns ont tourné. Ah merde, j'ai pas du tout vu. Fallait que je regarde la map, quoi. Ah, fallait que je regarde la map, les spawns avaient tourné, c'était. Ok, allez, on y croit, purifier. Je vais me faire tuer par le mec en mêlée, tu vas voir, je vais pas comprendre. Ok. Ok. Allez, go, 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 c'est le moment là. Ah, il va me prendre le tag. Ça, j'ai le hater. Ok, bon. On commence à reprendre un peu du poil de la bête là. Dégage avec ta mêlée, toi. Dégage de là tout de suite. Ok, bon, on va garder le power core pour la suite, parce qu'honnêtement... Je pense que ça pourrait nous être vachement utile, un petit power core, si le mec il arrive à rebalancer des raps pour une autre raison. On est pas mal avec notre petite coda, là on commence à repartir. Putain, la frustration de ce début de partie était quand même assez ouf, mais là on commence à remonter, je pense que c'est assez sympa là du coup. Ok, on va peut-être sortir ça. Là, il y a moyen de faire du kill à mort, je pense. What? Oh my god! Le mec il a réussi à m'ouvrir la gueule alors que j'avais la scythe en train de lui tirer dessus, quoi. Je sais pas si j'ai pas eu de bol au niveau du tir au jugé ou si j'ai juste tiré complètement à côté, mais what? Allez, avance, avance! Parce que je sais pas s'il y en a un derrière ou quoi, mais il y en a devant en tout cas, apparemment. Il est encore là. What? J'ai pas mis 4 balles là? Comment je peux lui mettre 4 balles à 5 mètres et pas le tuer, quoi? Genre, c'est possible ça? Je sais pas, il y avait pas de mur devant moi, non? Enfin, je sais pas. J'ai pas trop compris comment c'est possible. Je ne le tue pas, surtout. Oh, j'ai fait un double. Lol. Bon. 46-15, c'était pas ouf comme game, hein. C'était pas ouf du tout. Et je pense que je vais repartir avec les autres score streaks. Parce que c'est vrai que les autres score streaks sont quand même... bien pratique, tu vois, pour faire du kill, parce que 46, ça c'est bien, quoi, tu vois, c'est bon, c'est assez de kill, mais tu vois, j'aimerais bien en faire un petit peu une soixantaine, tu vois, comme la partie d'avant, histoire d'arriver sur le défi un petit peu plus vite, ça serait bien. Je crois que je vais changer de lobby, parce que j'en peux plus du mec avec son arme de mêlée, là, clairement, il me fait péter un watt, donc on va changer de lobby bien gentiment, à moins que ça soit Lumina. Non, je crois pas que ce soit Lumina, non, c'était Crux, le mec avec son pied de biche. Ça, le problème, c'est que, avec une arme de mêlée,
Clairement, tu peux pas faire une très bonne game, ou alors très rarement, enfin, ou c'est difficile de faire une très bonne game. Le problème, c'est que mourir par une arme de mêlée, c'est pas une bonne arme, mais c'est tellement frustrant de crever par ce truc-là, quoi. C'est horrible, c'est ça le truc. C'est que c'est pas que ça soit une arme cheatée ou quoi, c'est que ça soit une arme super frustrante. C'est ça qui fait chier, quoi. C'est ça qui fait trop chier. Et je sais pas pourquoi ils arrêtent pas d'en rajouter. Du coup, spécialiste, on va repartir. Hop, on va le réactiver. Tac. Hop, merci. Et on est reparti. Nouveau lobby. Niveau 50, oh, ça va, on fait un niveau on fait un niveau par partie, là ça va aller assez vite je pense au niveau du prestige, puisqu'on va bientôt arriver au prestige, niveau 50. Ou on continue le coup d'un. Ou alors, je vais peut-être repartir sur du... Ouais, essayer du manoir, tiens. Ouais, allez, ça se tente. Ouais, essayer du manoir. Surtout sur cette map, ça se tente pas mal. Après le truc c'est que là, comme c'est de l'élimination confirmée, je peux pas vraiment prévoir que l'ennemi va être de loin, tu vois. En domination, tu peux savoir qu'à tel endroit où tu vas arriver, bon voilà, l'ennemi, tu sais qu'il va être loin ou quoi. Mais là, là, pas vraiment. Je sais pas s'il a fait le tour ou s'il est resté là-bas, le mec, en fait. Je pense que ça va spawn sur C. De toute façon. Ok, il y en a un en haut. Oh, il y en avait deux autres, fait chier. Bon, je sais pas si j'aurais pu. Je sais pas qui c'est qui m'a tué. J'aurais dû regarder qui est-ce qui m'avait tué parce que je pense que s'il y avait pas eu le deuxième de gauche là, j'aurais peut-être réussi à le faire. Le truc, c'est que je voulais pas retourner tout de suite parce que je savais que j'avais pas beaucoup de balles dans mon chargeur et je voulais absolument recharger avant de pouvoir commencer à fight. Ce qui était une bonne idée, mais j'étais pas assez rapide malheureusement. C'est le moment où les chargeurs rapides auraient été vraiment utiles. Est-ce qu'il est lui? Ah, je vise à côté. Ok, bon. Pas grave, on va repasser. Attends, ils sont de l'autre côté là en fait. En fait, ils sont par là. Ok, je crois que j'ai pas tué le bon. J'ai clairement tué celui qui était derrière en fait. J'avais pas fait exprès, désolé, autant pour moi. Ok, merci bien, parce que là, je sais pas si j'allais mourir ou pas. C'est bon, tu l'as tué? Moi, je sais pas si tu l'as tué, mais on va faire comme si tu l'avais tué, écoute. Hein. Ça, tu t'en sors, mec, ou comment ça se passe là? Oh, c'est horrible parce que tu veux sauter, c'est typiquement le genre de truc qui me frustre au plus haut point. Avec les armes de mêlée, c'est le moment où tu sautes et ton perso, il fait non, moi je m'accroche comme ça, tu peux pas viser. Je voulais juste sauter pour tirer sur le mec, tu vois, et mon perso il s'est accroché. Du coup j'ai l'air d'un con parce que je peux pas viser, et vu qu'il lui manquait qu'une balle pour crever, bah je peux pas la mettre. C'est bête hein, ah bah oui ça c'est con hein. Si seulement on pouvait y avoir deux boutons différents pour monter les machins là et pour sauter, ça serait vachement bien. Ça serait quand même vachement bien, tu vois. J'ai pas l'impression que ça soit possible. Il le tue ou il le tue pas là? J'ai l'impression qu'il voulait le tuer. Le Reaper, ça peut être pas mal par contre sur cette dans ce mode de jeu parce que du coup, je ramasse le tag direct. Je suis pas un grand fan du Reaper parce que voilà, bon, on va faire ça comme ça. Je suis pas un grand fan mais c'est tellement complètement cheaté. Enfin complètement cheaté, c'est pas complètement cheaté mais bon, c'est un petit peu bullshit quoi. Moi ouais, j'aurais pas dû faire ça mais c'est pas grave. Il y en a deux là. Ok. Fuck. Tu peux pas viser à la verticale. Tu peux pas viser à la verticale, c'est horrible. Je sais pas pourquoi on peut pas viser à la verticale mais... Tellement ridicule. Non, 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 alors toi, mon gars, toi, tu me la refais pas, t'inquiète. Tu crois ou quoi? Là, je tire 3 balles, j'ai tué avec les 3 balles. Précision 100%, pas mal. Pas mal du tout. J'ai combien là? 22,5. J'ai le Reaper ou l'Annihilator. Je sais pas lequel est le mieux, franchement. Je sais vraiment pas lequel est le mieux. Je pense que je vais me passer sur le Reaper. Fuck. Ah, je mets 2 balles à chaque fois! Ah, juste besoin d'une 3e balle. Oh putain, j'aurais dû slide. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû slide et lui mettre un coup de Reaper. Il fait n'importe quoi là sur le coup. Je suis trop greedy en fait. À chaque fois, je veux absolument aller ramasser le tag et. Bah, même quand il y a 15 mecs derrière. Non, rien à foutre, 15 mecs, moi je vais ramasser le tag. Et bah, forcément, quand t'as 15 mecs et que tu vas ramasser des tags. Comment dire? Oh putain, je l'ai pas tué!
Oh, j'étais carrément sûr de l'avoir tué, quoi. J'étais en train de me barrer, en fait. Là, dans ma tête, j'étais déjà en train de faire demi-tour, tu vois. Je pensais que je l'avais tué, je sais pas. Pour moi, les deux ou trois dernières balles étaient carrément dessus, mais... Il s'attendait à ce que je sois là, mais je m'attendais pas à ce qu'il me tue aussi rapidement, quand même. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça m'a enlevé mon spécialiste, que je voulais absolument pas, de toute façon. C'était un petit peu chaud, là, quand même, hein. Son tir au jugé, qui a vraiment pas eu de chance. Enfin, pas eu de chance. Il est comme très large, le tir au jugé de l'annihilateur, mais bon, quand même. Wow, il avait la range, là? Ah, c'était pas le même. Pff, ok. Parce que je me disais, mais what? Comment il fait pour avoir l'angle, le gars? C'est pas possible. Le mec, il est un peu à l'autre bout, quoi. C'était pas le même. Oh putain, je l'ai même pas vu quoi, le mec. Invisible, invisible. Je fais pas une partie de ouf, hein. Franchement, j'ai un petit peu, je me déçois un peu là. On va garder ça. Oh waouh, c'était pas dessus ça? Oh putain, je pensais carrément que la deuxième était dessus. J'aurais pas dû prendre ça. Je sais pas pourquoi, j'adore le blackjack, mais je le déteste en même temps. Je sais pas pourquoi. Faudrait qu'il me donne le purifère en fait. S'il pouvait me donner le purifère à chaque fois, ça serait bien. Ok. Ah, il va vraiment falloir que je débloque ma série parce que là, ça commence à faire assez long comme game. Oh mais il y en a combien? Oh là 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 là! Putain les mecs, j'en tue deux, je mets deux balles dans un troisième et il y en a un quatrième qui débarque. Et bon, ok. Comment dire? J'ai vraiment l'impression de pas réussir à viser avec ce truc, hein. Je sais pas, je pense que je suis certain que c'est le viseur qui fait ça. Parce qu'honnêtement, même avec un sniper, je vise mieux qu'avec l'annihilator. Horrible. Hostile Rolling Thunder, vite, 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 faut que j'arrive dehors. Ah, il arrive par où? Il arrive par là? Ah putain, fais chier, je pensais vraiment que j'avais tué les bons, tu vois, mais en fait non, j'ai tiré trop tôt. Je les ai tués trop tôt, ça m'a pas sauvé la vie. Dommage. Dommage, dommage. Ah putain, il y a du Haymaker, c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Tu vois, je voulais absolument aller chercher le tag là. J'aurais pu crever parce qu'il y a l'autre qui arrivait juste derrière, tu vois, mais... C'est tellement horrible, le mec, je suis en train de viser, je suis en train de le pré-shot, il peut me tuer avant quand même. C'est ça qui est ouf, c'est ça qui est ouf, putain. Ah là là. Ok. Oh, t'es sérieux, mec, là? Putain, piquer le tac comme ça devant mon nez, quoi, ça se fait carrément pas. Je sais pas trop où ils sont, parce qu'ils sont un peu partout sur la map. Ils sont vraiment partout sur la map. Il y a deux à l'intérieur. J'ai pas envie de monter, mais je vais quand même le faire. Oh putain, ils étaient encore deux. What? Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient encore deux là. Putain, mais cette partie, en fait, est... En fait, le problème que j'ai dans cette partie, c'est que je fais genre 3 kills, je crève, 3 kills, je crève, mais tout le temps. C'est juste horrible. Ah ouais, bon, de toute façon, ils savaient où j'étais. Ils le savaient. J'avais aucune chance de m'en sortir. Putain, j'ai fait tellement une bonne première game et ça s'est très vite... Ça s'est très vite transformé, je trouve. Ok. Bon, 42-17. Bon, c'est pas... C'est, ouais. Ah, cet épisode a pas été franchement comme je voulais, mais... J'aurais vraiment... Ouais, je sais pas. J'étais pas dû être concentré sur les deux dernières parties, là, ou je sais pas, mais... J'aurais carrément pu faire mieux et non. Ça voulait pas. Ça voulait pas du tout, des fois tu vois, tu comme ça, tu... Ça c'est ça le pire, c'est que tu vois, faire des ratios de 2-3, c'est pas trop... Enfin, c'est... Le problème c'est quand tu le fais trop régulièrement. C'est-à-dire que c'est 3 kills, tu meurs, 3 kills, tu meurs, 3 kills, tu meurs, 3 kills, tu meurs. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai un ratio de quoi? J'ai un ratio de 2,5, tu vois, dans la partie, j'ai pas eu une seule série. J'ai pas eu une seule série, j'ai limite pas eu un drone, quoi, dans la partie, alors que je faisais 3 kills à chaque fois, tu vois. Ça c'est horrible, parce que d'habitude, enfin tu vois, en général tu fais quoi? Tu fais une série de 5, après tu meurs 2 fois, tu fais une série de 2, tu meurs une fois, tu fais une série de 10, tu meurs 3 fois, enfin voilà. Mais là non, là c'était tellement régulier mais horrible. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, et on va se retrouver pour la prochaine pour la fin de ce défi. Allez, ciao!